Hello mes citrons. Alors aujourd'hui, attendez, calme-toi à la carzelle. Faut que je me connecte pour vous montrer le truc. Mais il s'est passé un truc genre trop chelou. Mais faut que je... En fait je suis pas obligée de me reconnecter, normalement on peut voir les news en haut à gauche, non? Enfin bref, c'est pas grave, maintenant que c'est fait. Et on va se reconnecter sur le compte parce que... Et ben c'est genre trop chelou, puisque tout simplement... Voilà, apparaît. À la demande générale, il y a eu le tatou là, plus la fame lady, oh my god, la fame lady. Et le pire dans tout ça, tu te fais pirate. Mais pourquoi? Mais mon look il est bien. Mais pourquoi je me fais pirater? T'inquiète, t'as copié mon look. Genre je me fais insulter carrément. Ça fait à peu près presque 2 semaines que je porte ce look, mais c'est pas grave. Ah ouais, carrément. Comment elle s'excite. J'espère que c'est pas à moi qu'elle part comme ça. T'as pas de peur? Non mais elle est sérieuse la meuf. Je me fais agresser en vidéo. Lol. Moi je me fais agresser. Quinzette, t'as eu la seule, bordel. Ouais, je suppose que je l'ai vu, mais comme j'ai eu une coupure de courant, bah j'étais pas devant l'ordi, donc effectivement, peut-être, je ne sais pas. Ici à planète, putain, Quinzette, t'as copié mon look, salope, t'as pas de personnalité. Non mais elle est sérieuse la meuf. Non mais genre, je me fais agresser. En plus, on a même pas le même look. Genre regardez mon look, genre regardez son look. Enfin, je suis désolée, mais on n'a pas le même look. T'as invité à être amie. Ah, parce qu'elle m'a enlevé de ses amis en plus. Attends, on va te dire, non mais t'as craqué toi. Hein. T'as craqué toi. Non mais elle a craqué, on est d'accord. Et là, elle va me dire, c'était pas moi sur le compte. Bon, bref, c'était pas... À la base, c'était pas pour ça. Elle marquait doux, mais genre doux. Bah, t'as insulté, l'aile. Et tu te calmes. Prends pour qui? Bon, bah, apparemment, elle voulait vraiment m'insulter, en fait. Bon, moi, je cherche pas à comprendre dans ce genre de cas. Je vous propose de faire pareil. Vous bloquez, ensuite, vous signalez... Enfin, je suis désolée, hein. C'est pas parce que tu m'envoies une salute que t'as le droit d'insulter les gens, quoi. Non, mais lol, quoi. Mauvais langage. Voilà. Voilà. Commence très bien, cette vidéo, hein. Pourquoi les fame ladies ne font plus rapporter de fame? Voilà, c'était ça que je voulais vérifier. Parce que, comme vous le voyez ici, il y a les cœurs et la robe fame lady. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la robe fame lady, en fait, à l'époque, donc avant de pouvoir l'acheter, vous pouviez la recevoir uniquement en montant des niveaux. Donc, en général, c'est des niveaux où vous pouviez avoir des rares, genre au niveau 10, quoi. Genre au niveau 10, vous pouviez choper une Fame Lady. Y a pas forcément tout le monde qui l'a chopée qui le savait, mais la Fame Lady donnait 5000 fame lorsque vous la donnez à quelqu'un, comme un peu le t-shirt à 50k pour monter des niveaux. Et du coup, ce qui faisait d'elle quelque chose d'assez recherché. Donc je pense que c'est surtout aussi pour ça que les gens commencent à dire « Oui, mais moi aussi je veux une Fame Lady. » Sauf que voilà, ils l'ont bien rajouté au shopping. Je vais vous montrer ça. Donc en plus, elle est uniquement à 700 Star Coin. Voilà, elle est rouge. Et enfin, elle est rouge. On s'en fout un petit peu puisqu'on peut choisir la couleur, d'accord. Mais voilà, 700. Vous imaginez la fame avec ça. Franchement, ça fait genre trop bien ensemble. Mais enfin, bon, ça, je l'ai déjà en 46 000 fois. Oups, sorry. Y a chat qui a flippé. Et du coup, la fame lady vaut 700 Starcon et elle n'est pas VIP. Donc, on va l'acheter. Alors, techniquement, la Fame Lady, vu qu'elle maintenant vaut 700 Star Coin, elle devrait donner 70 points d'expérience à l'échange. Moi, j'ai juste envie d'aller tester ça quand même, de voir un petit peu... Next, je t'ai vu. Ah, c'est vrai, c'est vraiment un chacal, ce chien. Il vient, il prend un truc dans la poubelle, il se barre avec, quoi. Et il va dans son panier avec, quoi. Et après, il va pas le manger, hein. Il va le garder dans son panier. Il va attendre que je vienne, pour que je l'engueule, que je lui prenne ce qu'il a pris dans la poubelle. Et il aura pas touché. Enfin, bref. Du coup, la fée me dit, vos 700 Star Coin, est-ce que je l'ai acheté? Oui, je l'ai acheté, normalement. Bon, je vais l'enlever, puisque là, je la porte, je pourrais pas l'échanger. On va quand même tester si elle donne... mais bon, d'après ce que je viens de lire, apparemment, elle ne donne pas
Elle ne donnera plus les 5000 fame, ce qui est un petit peu dommage pour toutes les personnes qui ont fait des échanges pour l'avoir et qui, au final, elle ne vaut plus rien. MSP, ils ont tout cassé. Ils ont cassé la Miss Goldie, ils ont cassé la Fame Lady, ils ont tout cassé. Ils ont tout pété, tout le délire. Plus rien ne vaut son prix. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Enfin bref, on va remettre hop, ma petite robe. Mais c'est vrai que la Fame Lady, ça m'allait bien avec ce look. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Alors moi j'avais créé à un moment donné un compte. Faut que je le retrouve maintenant. Pour lui envoyer pour tester. Parce que on l'envoie sur Madame Toilette. On l'envoie sur Madame Toilette. Est-ce qu'on l'envoie sur Madame Toilette? Allez, on va l'envoyer à Madame Toilette. Alors, je rappelle que Madame Toilette a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Madame Toilette MSP. Je crois qu'elle a environ 14 000 abonnés, donc si vous tombez sur une chaîne Madame Toilette, 14 000 abonnés, ça doit être elle, dans les 14 000, presque 15 000 je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir, et du coup Madame Toilette, on va lui envoyer, et puis on va squatter son compte. Envoyer, faire un cadeau, j'espère juste que je vais pouvoir le retrouver rapidement. Tu n'en as aucun à donner, non mais sous de ma gueule clairement. D'où j'ai aucun cadeau à donner. C'est une blague. C'est une blague. Je vais la laisser charger, c'est ça? Ah bah voilà, merci. Donc on envoie la Fame Lady à Madame Toilette. Et là on va se connecter sur le compte de Madame Toilette pour faire une verification. Même si franchement, moi je dis que c'est un petit peu la mort. Parce que là, d'après ce qu'on a vu dans le... en bas, on va juste vérifier. Non mais t'es sérieuse meuf? Ah merde, j'ai mis salope, sorry. Je suis copier de ça, je crois que j'avais écrit un autre truc dans le copier-coller souris des os. Si tu as eu ma salle sur mon compte que t'as bloqué tout à l'heure. Alors oui, effectivement, j'ai eu la salute, mais je pense que j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu une coupure de courant. Des fois, je reçois des salutations pendant que je suis pas devant l'ordinateur. C'est pas parce que je suis connectée que ça veut forcément dire que je suis devant l'ordinateur. Souvent, je fais des trucs à côté. Mais ça n'excuse pas le fait que tu m'aies insulté. Next. Non mais c'est sérieux? Il vient, il reprend son os, il se rebarre en mode ninja. Mais enfin bon, le pour qui tu te prends, etc. Je pense pas que t'aies fait un faux copier-coller. Parce que bon, à la limite, un faux copier-coller, ça peut arriver. Mais trois d'affilée... hein, d'accord. Enfin bref, on va aller sur maintenant Madame Toilette et vérifier si la Fame Lady... si j'ai reçu la Fame Lady ou pas. Enfin, si je l'ai reçue, oui. Mais si elle rapporte... Bah, je suis tellement choquée de comment elle m'a parlé en vrai. Je suis en train de me dire, oula, fou, faut se calmer là. C'est un jeu, les gars, c'est un jeu. Je me fais insulter, c'est genre trop méchant. J'ai envie d'aller pleurer en PLS dans le coin de ma chambre là. Ça ne va plus. Voilà. Ok, on est sur Madame Toilette. On va lui emprunter son compte. J'espère qu'elle n'en voudra pas trop. Et du coup, on vérifie. On est à 2 115 778. Attends, je me l'écris à côté, moi. Parce que me connaissant, vous savez, j'ai oublié dans 2 secondes combien il y avait. Faut juste que personne ne m'envoie d'auto, quoi que ce soit, entre temps, histoire que ça ne dérègle pas le truc. Et du coup, ici, on va regarder le cadeau de Quinzaine YouTube. Ok, et pour rafraîchir, on va faire ça. On est à passer à 858. Alors, on va prendre une calculatrice. Oui, bonjour, calculatrice. Comme ça, on fait le calcul en direct live. 215 858. Je sais, il y a plus simple. J'aurais pu prendre juste le 858 moins... moins 788, mais bon, maintenant que c'est fait, hein, je vais faire genre, je suis intelligente, donc laissez-moi être intelligente. Hop. Et c'était 788 égale à 70 fame. Effectivement. Ah, I'm so sorry. Pour toutes les fame lady que j'ai, qui ne me servent plus à rien, que je voulais vous offrir, et ben non, bah voilà, j'ai plus qu'à les jeter à la poubelle, voilà, bref. Non, je vous les donnerai quand même, ça reste quand même une belle robe en soi, mais maintenant, elle ne vaut plus rien. Puisqu'elle s'achète dans le shopping, puisqu'elle ne donne plus 5000 fame, donc elle est devenue useless, I'm sorry, c'est comme ça. Et il y avait deuxième chose, je crois que c'était le tatou, là. Bah, Nex, qu'est-ce que tu fais? Mais ce chien, c'est un ninja. Parce qu'ils ont, il y avait aussi un autre tatouage cœur, là, que je ne vois pas ici, il est où? Il est où, le tatou?
C'était celui-là, je crois. Celui-là, ils l'ont ajouté aussi. C'est vrai que celui-là, on le voit moins souvent, genre que le Snake ou quoi, mais il apparaît quand même souvent. Mais celui-là, je l'ai déjà. Et voilà, donc comme vous l'avez constaté, sur le news connecté sur MSP, il y a également ce tatou et la Femmeidy qui sont arrivés. Donc si vous ne les avez pas achetés, n'hésitez pas à aller les acheter, parce que peut-être qu'après... Après, quand les rares, ils vont les enlever, bah, ils vont peut-être l'enlever avec la Femmeidy, je sais pas. Est-ce que ça va rester, est-ce que ça va pas rester? Dans les deux cas, de toute manière, même si ça part, je pense que le 70 fame restera, donc au final, ce sera useless quand même. Mais enfin bon, on peut rien faire, on n'a rien à dire, voilà, c'est comme ça. Enfin bon, je dis ça, on a toujours le t-shirt 50K pour se consoler. Au moins, celui-ci, il est dispo dans la boutique H24. Après, c'est vrai que... Voilà, pour les personnes qui passaient niveau 10 et qui chopaient la Femmeidy ou level 10, franchement, ça les aidait bien. Ils n'avaient pas besoin de mettre de l'argent, des starcoins, avoir beaucoup de starcoins pour bien monter les niveaux. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, je suis un petit peu déçue, mais en même temps, je me dis, au moins tout le monde aura accès à la Femmeidy. Bon, ce sera plus pour les mêmes raisons, parce que je pense qu'aussi, si la Femmeidy, elle a été autant demandée, c'est justement pour faire la technique, pour gagner les 5000 fame à chaque échange, quoi. Alors que là, bah, du coup, elle a été demandée, ok, ils nous l'ont donnée, mais ils l'ont complètement cassée. En gros, ils auraient dû la mettre en vente à 50 000 starcoins, comme le t-shirt, pour que la technique continue de fonctionner. Mais enfin, bon... juste voilà, petit PS de fin pour les personnes qui n'ont pas compris. En gros, vous gagnez le nombre de fame par rapport au coût du vêtement, par exemple. Donc là, à chaque fois, vous enlevez un zéro. Donc là, par exemple, si vous donnez ça, la personne gagnera 35 fame. Si vous donnez ça, elle donnera 25 fame. À chaque fois, vous enlevez un zéro, quoi. Donc pour ça, maintenant, c'est 70 fame. Et c'est pour ça que le t-shirt qui coûte 50 000, vous enlevez un zéro, ça fait 5 000 fame. Voilà, en gros, plus l'objet que vous échangez vaut cher, plus il donnera de fame. Et en attendant, l'objet le plus cher du jeu reste le t-shirt 50K. Et bien écoutez, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous lâche, allez, gros bisous à vous et à bientôt. I'll make some coffee, let's take a walk down to the sea.